Good afternoon, everyone. Bon après-midi à tous, ou bonjour, ou bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Mon nom, c'est Owen. Je viens de Vietnam. Je suis la directrice de CDR. Un ONG qui travaille avec les communautés marginalisées. J'ai un plaisir de modérer cette session aujourd'hui. Alors, sur le thème démarrer, arrêter et continuer, ce qui doit changer pour que les communautés soient mieux soutenues pour mener la charge sur la tuberculose et les comorbidités à l'époque du COVID. Je vais parler des règles de cette réunion et je vais présenter les trois orateurs. Yolanda, vous pouvez commencer par vous présenter. I think Olan is. Yolanda. Hello. Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Bonjour à tous. Vous pouvez tous m'écouter. Great. Sorry for the delay. So the main instruction we have is to do with the interpretation function. As you can see the instructions on the screen, please click on the globe at the bottom of your screen and from there select if you would like to use the English option or the French option. We have interpretation available in both of those languages. And this will be available throughout the meeting. So once again, please click on the globe option and then select English or French, whichever one you prefer. And now we're going to go back to Owen and she's going to go over the speakers and the agenda for the meeting. Elle va parler de l'ordre du jour. Merci, Yolanda. Anna. Allez-y, Yolanda. Yolanda, please go ahead. Owen, can you repeat that, please? Owen, vous pouvez répéter ça? Je croyais que vous aviez quelque chose d'autre à dire. No, so we're going to ask all of the speakers, so Madiara, André, and Ashin, to have their videos on throughout the meeting. And for the participants who are in the group, we're going to have Q&A and function available for you to put questions to. You can see at the bottom the Q&A button and you can answer any questions that you have for the panelists which come up during their discussions. You can write them there and then we will be able to respond to them. Thank you very much. So, please be aware that there's an interpretation function. Nous vous rappelons qu'il y a l'interprétation qui fonctionne parce que Mirada va parler en français. Si vous avez besoin de l'interprétation du français à l'anglais, et donc vous devez utiliser les fonctionnalités de l'interprétation, les questions, les commentaires. Vous pouvez enregistrer cela dans la boîte d'échange. Et nous allons parcourir les textes pour voir qui veut poser une question ou qui veut faire des commentaires. Nous avons 90 minutes pour cette réunion. C'est une opportunité de pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans la situation actuelle parce que le monde a changé d'une manière quelconque. Et la COVID va endommager certaines réussites que nous avons faites par rapport à la tuberculose.
nous avions déjà moins de cas cette année parce que certaines personnes ne veulent plus aller à l'hôpital et donc c'est un problème. Et COVID peut apporter d'autres nouvelles opportunités pour nous. Et aujourd'hui, nous allons écouter de nos orateurs qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour utiliser cet environnement de COVID. We should stop doing. Qu'est-ce que nous devons continuer à faire et qu'est-ce que nous devons arrêter pour que les communautés puissent continuer à prendre les relèves sur la tuberculose et les comorbidités. Je peux commencer avec l'exemple du Vietnam. Lors de COVID, mon organisation qui se charge de gens qui vivent dans la rue et dans les bidonvilles. On a fait une interaction avec la communauté, pas comme avant. On a eu des cas de STI-TB, tuberculose. C'est juste un exemple d'une nouvelle opportunité pour nous lors de cette période de COVID. Nous voulons donc que cette séance soit interactive, ouverte, et que nous puissions nous engager le plus que possible. Je crois que tout le monde aura l'opportunité d'écouter et de réfléchir et de faire des commentaires sur cette, lors de la séance. Et que cette séance va nous inspirer. On a trois orateurs et chaque orateur aura 10 minutes de parler. On a demandé aux orateurs de ne pas utiliser les PowerPoint juste pour l'expérience parce que les trois orateurs que nous avons aujourd'hui sont les grands leaders sur les questions de communauté, de la question de tuberculose et de VIH. Et donc, vous aurez 2 minutes de parler. Et après qu'ils aient parlé pendant 2 minutes, nous aurons 2 minutes de discussion, de commentaires et questions. Et après 2 minutes, nous allons arrêter pour passer à l'orateur suivant. Je vais aussi utiliser cette opportunité pour apporter comment évaluer l'atelier. Aujourd'hui, nous allons partager des idées, des expériences. Nous allons réfléchir sur un atelier qui peut focaliser sur le modèle de l'accélération du modèle de tuberculose, l'intégration entre la tuberculose, les HIV et d'autres maladies. L'atelier était conduit en anglais et une possibilité d'interprétation en anglais, la langue RIS et le portugais. Donc, j'encourage les gens qui parlent l'une de ces langues de participer à cette session qui sera ouverte pour l'enregistrement jusqu'au 23 octobre. Alors, nous allons passer à notre premier orateur. C'est un plaisir pour moi de présenter Hashim Chola. C'est un grand ami pour moi, quelqu'un que j'admire. Il est le directeur PDG des questions de VIH, SIDA, Al-Aylan-End. Il travaillait pour une ONG avant de prendre cette position. Et lorsque nous réfléchissons sur les questions,
veille à ce que la perspective des communautés, je crois, il va discuter, il va élaborer sur les populations, les communautés marginalisées. Et donc, à vous, Hashim. Thank you very much, Juan. And, merci beaucoup, Juan. Mes salutations de l'Inde à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Which we represent. Et d'être faire partie de ce partenariat. Je vais commencer par apporter l'attention que l'OMS a lancé les rapports sur la tuberculose et que l'Inde a les cas les plus élevés de tuberculose dans le monde et nous savons qu'approximativement 30% de la population de l'Inde a été infectée par le COVID. Population of people living with HIV. So, nous avons aussi un nombre élevé d'une population qui vit avec le VIH. Nous avons donc un grand problème chez nous, c'est une question complexe. Ce que je vais discuter avec vous rapidement, c'est les défis ou les dommages, les dommages qui ont été créés par le COVID en termes de l'économie et la tuberculose. Vous savez qu'en Inde, on a perdu beaucoup de travaux suite au COVID. Beaucoup de gens sont tombés dans la pauvreté. Ils ont un comportement de maladie exagéré. La tuberculose, ils rentrent, sont retournés chez eux. Ils sont cloués chez eux parce qu'ils ont perdu de l'emploi. Et donc, l'impact de la destruction de l'économie a créé un problème très sérieux. Le deuxième problème, c'est les services de tuberculose, la dispensation de médicaments. Il y a un impact très élevé. Notifications of tuberculosis because in India TB is la notification de tuberculose parce que la est tombée dramatiquement. I've been infected with tuberculosis but because of the problems in the service provision side parce que les problèmes en termes de services et que les dossiers ou les nouveaux cas n'ont pas été notifiés. Transmission risk. Mathematical modeling suggesting la situation a exagéré l'opportunité de transmission. India will see about 235,000 new cases L'Inde in excess of what it would have seen for every lockdown. A vu plus de 290 000 cas d'infection de tuberculose en plus des cas existants. En termes de transmission, en termes d'augmentation des cas, il y aura à peu près plus de 290 000 cas en excès. Parce que les gens ne sont pas en mesure de maintenir la distance, la distanciation sociale. Et en termes de travaux avec ces communautés marginalisées, all forms of livelihood impacting obviously on health seeking behavior, the aggravated stigma and discrimination that we know that transgender people face. Yeah, la stigmatisation, le changement de comportement et la distanciation sociale. Cela a modifié le comportement par rapport au à la tuberculose. Il y a donc urgence de faire de contrôler la transmission.
La plupart des gens vont être arrêtés et envoyés en prison. Et nous avons un autre aspect. Users and intimate partner violence, which has gone up because of the lockdown situation and the lack of availability of proper drugs. Médicaments, la plupart des ont fermé à cause de la situation de COVID. We have seen, as Juan said in the beginning, a number of opportunities to inform people who are trying to deal with the collateral damage of COVID-19 on tuberculosis. And nous avons un nombre de gens qui cherchent à adresser les collatéral qui a été créé par le COVID pour leur dire qu'il y a des opportunités d'appliquer une réponse par rapport à la réaction contre le COVID que le VIH-SIDA. Et nous devons donc nous assurer que les communautés sont au cœur de tous les programmes et tous les survivants de COVID-19, doivent être pris avec beaucoup d'attention. COVID-19 as well, contact tracing. I don't need to emphasize this more because you know that from tuberculosis to HIV, contact tracing has been hugely impactful in terms of controlling transmission, addressing stigma and discrimination. And lastly, I would say responsible. On doit adresser le stigma et la communication de maladie. And there's a lot of quackery that is going on. And we must have responsible medication. So all we put nous all devons avoir des médicaments appropriés pour répondre à tous ces problèmes. Il y a aussi une opportunité de pouvoir utiliser la charte de VIH pour faire face au COVID en Inde. Merci beaucoup et à vous, Owen. Merci, Ashman. At your back? J'aime le vélo derrière vous, dans votre plan. Est-ce que c'est un vélo? C'est quoi ça? I'm also long distance. Ça, c'est mon ami qui a conçu ça. It's beautiful. Yeah, I know that you are a motorcyclist and it's really c'est très bon. Je sais que vous aimez faire le vélo. Merci, Hashim. Et c'est un plaisir d'écouter de votre part. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont majorés et si la tuberculose continue à galoper en Inde, nous aurons les problèmes de tuberculose partout au monde. Vous avez mentionné plus de 5000 de cas supérieurs, les gens qui ont perdu leurs travaux. Nous sommes vraiment inquiets, mais aussi, j'ai écouté aussi de vos approches par rapport au VIH-SIDA. Vous avez mentionné que Inde va être en partenariat avec FenLion pour mettre en action certaines activités des communautés. Est-ce que vous pouvez partager sur ça? Quelles sont les idées par rapport à ça? I can only share with you what has been discussed until now within the Frontline AIDS partnership, which is that that we want to push ahead with being one of the être nous voulons être des leaders en termes des associations qui travaillent avec les communautés par rapport au VIH et au COVID-19. Practice hand hygiene or maintain social distance or physical distance, the person doesn't actually... En termes de l'hygiène personnelle, la distanciation sociale... The general population is aware of the reasons why. So there is this whole business of trying to ensure that On essaie de... What we are trying to
rassuré que nous avons vos intérêts à cœur. On va utiliser des méthodologies de recherche parce qu'il y a une façon de traiter le COVID-19 différemment des méthodes qui sont appliquées présentement. Merci, Hashim. Je vois que nous avons encore quelques minutes d'interaction avec Hashim. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à Hashim? Jaya Lasmi, please unmute yourself and speak. So, Owen, the participants can't unmute themselves, but if they either write the question in the Q&A function or if they raise their hands, they can be unmuted by myself. Okay, so there's a person raise their hand. Can you unmute them? Yeah. Okay, so the question here is why are there no behavior scientists in the COVID response as yes? I think it's more a comment than a question. I think person can speak now. Yeah, please go ahead. This is Jaya. This is Dr. Jaya Sridhar from Chennai. So thank you, Dr. Hashim, for that very wonderful. Je voudrais dire merci au Dr. Hashim pour sa présentation. Il y a tellement de choses de notre expérience avec le VIH que nous pouvons transporter ou translater au COVID-19. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est parce que les scientifiques du comportement ne sont pas toujours perçus comme des scientifiques à part entière. Et je vois un peu le BCC, le ICC, ce sont un peu des choses qui sont beaucoup plus liées à la sociologie plutôt qu'à la science. Voilà, merci. Merci pour la question et pour la réponse. Je crois que c'est un commentaire important et j'espère qu'il y aura des scientifiques ou dans la communauté scientifique des gens qui pourront entendre un peu ce que vous dites. Je crois qu'on est en train de trop médicaliser la riposte de COVID-19 et je crois que c'est assez triste comme situation. Je peux voir également qu'il y a d'autres questions au niveau des questions-réponses. Yeah. Oh, and there's also a few questions in the Q&A function if you want to look there. Oui, je suis en train de regarder à la fonction Q&A. Je voudrais d'abord féliciter le travail qui se fait en Inde. Hashim, vous l'avez dit, que la tuberculose est une maladie assez poussée en Inde. J'aimerais savoir quel est l'apport du secteur privé dans la réponse cette année comparativement à l'année passée. Oui, le secteur privé fournit 80 à 85% des soins de la tuberculose en Inde. Je dirais également, oui, je dirais 75% de ce qui se fait en Inde peut être attribué au secteur privé. Ouais, donc de 85 à 75, 10% de baisse par rapport à l'année passée. Hashim, vous avez également élaboré sur l'une des remarques qui a été faite ici. Oui, je crois que la personne qui a posé cette question, c'est nous travaillons dans une situation où nous avons des ressources très, très limitées. Et
nous ne pouvons pas avoir des programmes isolés tout le temps. Et en Inde, nous avons jusqu'à 60 programmes en silo et nous voulons donc utiliser les mêmes méthodes pour arriver aux mêmes solutions. Merci à Hashim. Vous avez là soulevé un programme très important. Plusieurs de nos organisations, nous ne voulons pas travailler de manière isolée. Un programme pour la tuberculose, un programme pour le VIH. Nous voulons plutôt créer une synergie entre les deux programmes. Nous ne voulons pas repliquer les choses, avoir un programme VIH pour le COVID-19, mais nous disons que là où on travaille pour le VIH et la tuberculose, on peut également travailler pour la COVID-19, surtout dans les milieux vulnérables. Une autre question, c'est quel type d'organisation peut, par exemple, faire de la distribution de la nourriture. Je crois que je l'ai mentionné dans mon introduction, mon organisation fait un travail dans ce sens-là, particulièrement dans les bidonvilles. Nous avons également un programme avec les travailleuses du sexe et nous avons souvent des gens qui viennent nous dire « voilà, nous avons faim, nous n'avons pas de nourriture » et voilà pourquoi nous avons commencé un programme de distribution de nourriture. Voilà, je crois que nous avons nous arrivons maintenant à un résumé important. Nous comprenons que nous ne voulons pas avoir des programmes différents. L'organisation qui travaille doit utiliser une approche communautaire et nous pouvons tous participer dans la réponse ou la riposte au COVID-19 également. Voilà, nous allons passer au prochain intervenant, Martiana Koulibaly, qui nous vient donc d'une ONG à Lyon en Côte d'Ivoire. Elle est la directrice exécutive de cette organisation et Alliance Côte d'Ivoire, qui est également récipiendaire d'un... Et l'on me dit que Madira va s'exprimer en français. Donc, si vous n'êtes pas francophone, il faudrait que vous puissiez utiliser la fonction interprétation. Je sais qu'elle parle très bien anglais, mais... ici, elle va s'exprimer en français. À vous la parole, Madira. Je sais que vous serez plus à l'aise en français. Allez-y. Merci beaucoup, Joan. Je suis très, très, très contente de te revoir après plusieurs mois de confinement. Recevez tous mes salutations et ceux de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique francophone et de l'Afrique du centre. Alors, la survenue de la maladie 19 avec environ 1 200 000 morts pour plus de 40 millions de cas en une dizaine de mois a renforcé la vulnérabilité des cibles de nos programmes de lutte contre la tuberculose. Et c'est dans ce contexte sanitaire qu'il est apparu nécessaire de s'appuyer sur le savoir-faire des ONG et de s'appuyer également sur leur proximité avec la population pour renforcer la réponse, surtout en direction des populations les plus marginalisées.
et je voudrais vraiment saisir l'opportunité de cette tribune pour saluer tous nos partenaires qui ont cru aux capacités de la société civile durant cette période délicate. Alors, donc, pour répondre à la première préoccupation qui est celle de savoir quelles sont les initiatives communautaires qui ont été entreprises et qui devraient être poursuivies. Donc, je dirais que avec l'appui de nos partenaires, nous avons pu analyser la situation, proposer des actions clés et partager les connaissances. Donc, nous faisons partie d'un réseau régional qui s'appelle DRAFT-TB, donc Dynamique Régionale Afrique Francophone contre la Tuberculose. Et avec, avec ce réseau, nous avons bénéficié de l'appui de Stop-TB Partnership et Initiative 5% pour réaliser une analyse rapide dans 7 pays portant sur les besoins des patients tuberculeux dans le contexte de la COVID-19. Nous avons également pu participer à des webinaires qui ont été organisés par nos partenaires tels que l'Institut de la Société Civile pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Frontline AIDS, Stop-TB Partnership. Et ces webinaires nous ont vraiment permis d'échanger les idées, de partager les pratiques et de voir les possibilités d'action. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte de la COVID, il était vraiment difficile pour certaines organisations d'intervenir. Et le fait de savoir que dans les autres pays, des organisations sœurs ont pu se mobiliser pour apporter des contributions a fortement encouragé les organisations de la société civile à innover pour la riposte contre la COVID-19. Par ailleurs, nous avons en Côte d'Ivoire, avec l'ensemble de nos partenaires de mise en œuvre dans le cadre de la subvention du Fonds mondial, développé ce que nous avons appelé un plan de contingence face à la riposte à la situation de COVID-19. Et ce plan de contingence nous a permis de poursuivre donc, les services en direction des patients infectés par la tuberculose, mais également pour les patients infectés par le VIH, et de contribuer à la réponse contre la COVID-19. Donc, de façon concrète, nous avons assuré le suivi téléphonique des patients TB et des patients VIH, de sorte à les rassurer, leur donner les informations, les inviter également à venir prendre leur dotation de médicaments. Donc, en lien avec le Programme national de lutte contre la tuberculose, nous étions convenus de pouvoir remettre une dotation de 1 mois de traitement aux patients tuberculeux et avec le Programme national de lutte contre le VIH, il s'agissait de remettre 3 mois de traitement antirétroviral aux patients pour éviter qu'ils soient en rupture, vu qu'il y avait des mesures restrictives qui avaient été dictées par le gouvernement. De même, des kits alimentaires ont été donnés aux patients les plus vulnérables parce qu'avec la fermeture des petits commerces, de nombreux malades qui sont issus des couches les plus défavorables se sont retrouvés dans une situation de précarité beaucoup plus accrue. Et au niveau des populations clés, surtout en prison, nous avons, avec l'administration pénitentiaire, mis en place des locaux préfabriqués qui ont permis de rassembler au sein de ces locaux donc les nouveaux détenus qui entraient, de les observer pendant 2 semaines. Et quand on se rendait compte qu'ils n'avaient pas de signe d'appel particulier par rapport à la COVID, c'est seulement en ce moment qu'ils pouvaient rejoindre leurs cellules. Donc, cela a aidé à réduire le risque de contamination au niveau des prisons. Et il y a eu beaucoup d'actions de plaidoyer, de discussions sur les équipements qui devaient être fournis, les équipements de protection qui ont été fournis aux communautés, aux acteurs communautaires et les formations, donc en lien avec le ministère de la Santé, spécifiquement la direction de la santé communautaire. Donc globalement, les appuis des partenaires nous ont permis de comprendre la situation et d'offrir des services en toute sécurité aux patients. Et tout le travail de documentation de ces pratiques est en cours avec l'appui de l'Institut de la Société Civile pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a commis des consultants dans 7 pays pour documenter les bonnes approches dans le contexte de la COVID.
Donc, le second point de la réflexion qui nous est demandé est de savoir ce qui a manqué et ce qui devait être initié. Alors, il faut noter que la COVID-19 nous a rappelé combien la stigmatisation et la discrimination pouvaient constituer des obstacles à l'accès aux services pour les maladies meurtrières, contagieuses et à transmission aérienne. Malheureusement, peu d'investissements sont réalisés dans nos programmes classiques de lutte contre la tuberculose et sur la promotion et la protection des droits des patients tuberculeux. Si dans le cas de la lutte contre le VIH, ce sont des choses qui marchent assez bien pour la tuberculose, c'est encore vraiment au niveau en train de démarrer dans plusieurs programmes. Et pourtant, des outils d'analyse de barrières liés aux droits humains et aux gens existent, tels que l'outil CRJ qui a été développé par StopTB et qui peuvent aider les pays à renforcer la prise en compte de la lutte contre la stigmatisation, la discrimination et les violations des droits dans les programmes de lutte contre la tuberculose et même de lutte contre la COVID. Mais il est surtout impératif de prévoir suffisamment de financement lorsqu'on monte les subventions pour adresser ces actions. Nous avons été aussi confrontés à des réactions hostiles des populations fondées sur la méfiance et les préjugés face aux actions qui ont été entreprises. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu même la destruction de certains matériaux destinés à la lutte contre la COVID-19. Et je voudrais noter que ces réactions hostiles ne sont pas propres à la COVID-19. On a bien pu constater que dans le cas des épidémies à Ebola, il y avait eu des réactions hostiles de ce genre qui avaient été de réelles entraves à l'accès aux services pour les populations. Donc, cela montre la nécessité d'innover dans nos approches et de nous assurer qu'il y a une bonne implication des populations à la base et qu'il y a des cadres de concertation et de redevabilité qui sont créés et en cela, la société civile a une valeur ajoutée certaine. Donc, face aux épidémies et aux pandémies, c'est vraiment assez rapidement de pouvoir activer ces cadres de concertation et de dialogue avec les populations pour assurer une bonne préparation des populations et une mobilisation de ces populations dans les réponses qui sont données. D'autre part, la crise à COVID-19 nous a appris à travailler autrement en utilisant les plateformes numériques qui pourraient être explorées pour réduire les coûts liés aux ateliers et aux formations dans le contexte de sous-financement de la réponse à la tuberculose. Enfin, le dernier point de mon intervention, il nous a été demandé de savoir ce qui doit être arrêté. Donc, si nous étions dans le cadre du sport et du football, on aurait dit quelles sont les actions qui devraient recevoir un carton rouge. Alors, je donnerai un seul carton rouge. C'est celui de dire stop à la verticalité des programmes de lutte contre la COVID-19. Donc, stop à la verticalité de la réponse contre la COVID-19 qui n'a pas suffisamment impliqué les programmes de lutte contre la tuberculose, alors même que les moyens de transmission, les modes de transmission et les moyens de prévention de ces deux maladies sont similaires. Et on se rend bien compte que pour les autres maladies comme le VIH-SIDA, les programmes ont été peu impliqués dans la préparation de la réponse à la COVID-19. Si bien que malgré les énormes moyens qui ont été déployés dans un laps de temps très court pour faire face à la réponse à la COVID-19, ces moyens ont très peu profité à la réponse contre la tuberculose et contre le VIH-SIDA. Stop à la verticalité de la réponse à la COVID-19, qui également n'a pas permis d'induire un changement durable de comportement au niveau des populations face aux infections à transmission aérienne de façon générale autour de l'hygiène de la toux et du port de masques. Parce que nous voyons en effet qu'après quelques mois de campagne intensive sur la COVID-19, il y a un essoufflement des populations et un relâchement dans les mesures de prévention contre la COVID-19. Donc, nous devons nous assurer que les communautés sont au centre de nos interventions et promouvoir les approches intégrées. Donc, Juan, je voudrais m'arrêter à là.
comme contribution au partage de ce que nous avons eu à réaliser. Merci. Thank you very much, Mediara. And it's really nice to see you. I haven't seen you for so long. It's lovely to see you. And thank you for sharing experience from Côte d'Ivoire. You've done so much during the last few months. When I listen to you, it's like, oh God. But it's really, and I see that Andries is listening very carefully on what you said as well. You are recipient, principal recipient of both TB and HIV, and you are wondering how you can have enough funding to also respond to COVID, to address the need of the population that you are serving, but also addressing the emerging needs due to the COVID. But you have done some fantastic job to get people 3 months of ARV, etc. And some of the point that you mentioned about the hostile behavior during the Ebola and during the COVID, I think that's very interesting and important to look at as well. And I am so pleased to listen to your red card. In fact, it's almost like a concluding remarks with what Ashim mentioned earlier, stop to make it vertical. We don't want to make vertical COVID-19 response, right? It had to be integrated, it need to build synergy. So the floor is open for question. If people have a question for Mediara, sure. You can put in the kit, right? Oh, and just before we go into the questions, can I ask the French interpreters? I'm not hearing the French interpretation for Oan at the moment. Can we please start the English to French interpretation again? Thank you very much. Thank you. I hope it was now. Is it okay, Yolan? Owen, that's great. You can keep going now. Thanks. Okay. So I see from the chat that we have a people coming. Je vois dans la boîte d'échange, nous avons des questions de Turquie, de l'Indonésie. Il y a les gens de l'Inde, de partout dans le monde. Et c'est mieux bien d'avoir les participants de tout le monde entier qui participent à cette session. Si vous pouvez poser une question, vous pouvez nous parler de là où vous venez, du coin où vous habitez, pour voir à gauche, à droite et voir les gens, les participants viennent de quel pays. Je vois une question de Hashim. Salutations de Philippines. Je suis Camélia. Myanmar, Inde. Il y a beaucoup de questions. Et je vais poser cela à Marielle. Est-ce que vous pensez que nous pouvons atteindre l'élimination de tuberculose via l'attaque de COVID présentement? Est-ce qu'en 2020-2030, on peut réaliser l'élimination de tuberculose? Quand est-ce que vous pensez que vous allez remporter contre la tuberculose en Côte d'Ivoire? Alors, je pense qu'avec des efforts et la contribution de tous les secteurs, quand je parle de tous les secteurs, c'est la société civile, mais également le secteur privé, si tous ensemble on se mobilise, même si en 2025, l'objectif n'est pas atteint, on pourrait se donner des chances
de se rapprocher de l'objectif de l'élimination. Donc, une fois de plus, c'est vraiment comment on saisit chaque opportunité qui se présente et qu'on transforme cette opportunité en possibilité d'action, que ce soit en situation d'urgence sanitaire où il y a une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs, où on se rend compte qu'il est possible d'agir au niveau des populations pour qu'elles adoptent les bons comportements qui sont profitables à la lutte contre la tuberculose. Quand on saisit les opportunités d'action au niveau du secteur privé pour s'assurer que dans les entreprises, les responsables d'entreprises prennent les dispositions pour protéger suffisamment les employés, donc éviter qu'il y ait une propagation et de la COVID, mais également de la tuberculose au sein des entreprises, et que ceux qui sont malades soient correctement pris en charge, bénéficient d'un respect de leurs droits au travail pendant cette période et ne soient pas effrayés de perdre leur emploi et donc de cacher leur infection. Oui, si on se met ensemble, on pourrait se donner beaucoup plus de chances de se rapprocher de cet objectif. Thank you, Madeira. We need to work on together. And it's when we are talking about TB response. Merci, Madeira. Nous devons travailler tous ensemble. Et lorsque nous parlons de tuberculose, ça ne doit pas seulement être les X-rays, les médicaments, mais on doit adresser les stigmas, la discrimination, les garanties de garder son travail. Ashmi a annoncé qu'il y a une situation élevée de tuberculose en Inde pendant la période de COVID. Est-ce que vous avez la même situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des bases de données? Quelle est votre observation par rapport à ça? Alors, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est que pendant la pandémie, il y a eu une baisse de la fréquentation des structures de santé. Et nous avons connu pendant le premier mois de la pandémie où il y avait eu beaucoup de peur au niveau des populations, donc une baisse de la fréquentation avec une augmentation des perdus de vue pendant au moins un mois. Nous avons également connu une baisse de la notification parce que les malades qui toussaient avaient peur qu'on les identifie comme étant malades de la COVID-19. Donc, ils préféraient rester à la maison que de se rendre dans une structure de santé. Et donc, puisqu'il y avait aussi des restrictions de mouvement, donc pendant cette période, oui, il y a eu une réduction de la notification, une réduction, donc une augmentation du taux de perdu de vue, avec une incidence également sur le succès au traitement, mais assez rapidement, avec la mise en place du plan de contingence en lien avec le programme national. Je pense que les mesures qui ont été prises nous ont permis de redresser la courbe, donc de pouvoir donc mener une action agressive autour des malades, donc pour la recherche des cas contacts, encourager les malades à venir. Il y a eu même parfois où on a dû payer le transport de certains malades pour les encourager à venir prendre leur traitement parce que les transports en commun étaient devenus beaucoup plus chers. Il fallait réduire le nombre de passagers, donc ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour venir. Et donc, il y a eu un ensemble d'actions qui ont été réalisées pour encourager les malades à venir avec les appels téléphoniques, les rassurer pour qu'ils reviennent dans les structures de santé, prendre les médicaments et continuer donc le traitement. And continue their treatment. Il faut le dire, pendant un moment, a créé une baisse au niveau de tous les indicateurs, mais le plan de contingence mis en place nous a permis de rattraper cette baisse. Thank you, Madeira. That's a great insight, and I think that on TB, when the number merci, Madeira.
Parce que lorsque la courbe descend en termes de tuberculose, ça doit nous inquiéter. Parce que les gens ne viennent pas, les notifications baissent. Je pouvais voir les commentaires de Blessy Kuma. Bonjour Blessy. Blessy est un combattant depuis longtemps sur la tuberculose. Blessy a un commentaire. La réalité est que nous étions restés derrière pour arriver à nos succès en termes de tuberculose, même avant la tuberculose. C'est-à-dire, nous devons multiplier nos efforts et accélérer. Il n'y a pas de temps à perdre, la vie dépend de ça. On doit essayer donc d'améliorer nos efforts. Et je me rallie avec Blessy. Nous étions en Inde, Asie. Nous venons de rencontrer Madiara en Afrique et maintenant nous allons passer en Europe. Et c'est mon plaisir donc de présenter André Klepikov. Je ne crois pas que je dois dire beaucoup sur lui. Et j'ose croire qu'il y a de nouveaux participants que nous ne connaissons pas. André est secrétaire, Jean qui travaille sur la question de VIH-Sida pendant longtemps en Ukraine. C'est l'un des ONG en Ukraine qui se focalise sur la tuberculose et le VIH-Sida. Et André gère les programmes global ou mondial. Alliance of Public Health in Ukraine, also doing scaling up on opioid substitution therapy program. It's the largest program. Ils sont en train de travailler sur le programme, les programmes de substitution de traitement, parce qu'il y a accroissement des cas de tuberculose en Ukraine. André est aussi un leader, un plaidoyant de traitement de VIH-Sida. Il est ici parce qu'il est un membre de la délégation des pays en voie de développement. Il est donc décideur au niveau des fonds mondiaux. Nous sommes contents que André soit ici, pas seulement pour l'ONG, mais pour d'autres causes. André, à vous. Merci, c'est vraiment un plaisir de vous voir tous et tous les participants à cet événement très important. J'ai des casquettes différentes, mais je vais focaliser sur notre travail à Ukraine. Lorsque COVID est venu, on n'était pas préparé par rapport à ça. On a conduit des ressources, des commodités, des programmes en croissement. Je me souviens lorsque le COVID a commencé, il y avait demande de respirateurs. COVID.
Il y avait un besoin immédiat de pouvoir acheter des respirateurs. Ça, c'est juste un exemple de tuberculose. Dans la plupart des situations, nous dépêchons pour adresser les urgences. Mon organisation Alliance pour la santé publique a développé 5 activités. Les gens qui utilisent les drogues, les prostituées, les gens de la rue et d'autres populations à risque. Les supports médicaux et socio-psychologiques pour les résistants des médicaments de tuberculose, aussi les décisions de politique au niveau régional. Des partenariats avec Stop la tuberculose Ukraine. Nous avons uni la plupart des membres du Parlement. Lorsque la COVID a commencé, beaucoup de choses ont résonné. Ce qui était fait à Ukraine par nous. Les lockdowns, les confinements et la situation de COVID a arrêté beaucoup de personnes à avoir accès aux services. And real contact between key populations and healthcare providers. They couldn't. Il y avait un problème entre les services de santé et les populations. Et les gens prenaient des contacts avec des ONG. L'une des barrières, c'était l'accès aux médicaments. C'était difficile, mais les gens son anglais ne passe pas bien, j'essaie de ramasser les mots. To make sure that they're accessing services. So we allow to make. Certains ONG ont débloqué des financements pour se rassurer que les gens avaient accès aux médicaments et aux services. L'autre chose. C'était critique de ne pas perdre le contact avec les peuples. Family doctor at healthcare facility. So it's another thing to mention that the workload on civil society organizations workers increased actually due to this situation. And for il y avait le travail de la société civile qui avait aussi monté à cause de cette situation. Dans d'autres coins, on a passé plus de temps à répondre à la question de COVID, au problème de COVID, et on a ignoré la tuberculose. Je parlais des innovations. Nous avons trouvé qu'est-ce qui fonctionne mieux dans cette situation.
actually became VOT. Les docteurs se sont transformés en VOT pour absorber les médicaments de manière numérique en utilisant des vidéos. Civil society supporters, yeah, or even medical staff, but hired by civil society. So, and it led to the great results. In Ukraine, we did analysis of the same period, first half of 2022, in comparison with the same period of the last year. And due to this ability to... En Ukraine, on a fait une comparaison entre la période 2022 et la période précédente. Et comme réaction, on n'a pas eu une réduction en termes de médicaments, ce qui nous a fait un grand résultat. Avec les partenaires de la société civile qui ont joué un rôle critique pour arriver à ces résultats. En termes de tuberculose, on n'a pas vraiment gelé, mais on est tombé en arrière. Lors du confinement, les transports publics étaient fermés et il n'y avait pas donc d'accès au transport. Mais avec les partenaires de la société civile, ils étaient en mesure d'organiser les transports pour les malades de tuberculose pour aller à l'hôpital. Une grande barrière pour les liens avec les groupes, les mesures de confinement n'ont pas permis à ce que nous utilisions les mêmes modalités. Responding to their needs. That's what we used to do for years. On devait donc trouver des méthodes pour atteindre nos patients. On ne pouvait pas continuer à travailler sur la rue au même niveau comme nous le faisions avant. Et dans ce point, on a eu un impact négatif. On a eu un impact négatif au niveau de la population. Si on fait une comparaison entre la moitié de l'année 2020 à l'année précédente, il y a eu vraiment un recul par rapport au traitement de tuberculose. La résistance aux médicaments de patients de tuberculose, ce n'est pas vraiment dramatique, mais ça ne se réduit par rapport à l'année 2019. Il y a donc plusieurs conséquences qui sont créées par le COVID sur les programmes et sur terrain. Il y a aussi des risques au niveau des activités de pays en termes d'administration de médicaments de tuberculose. To policymakers and actually resolving the situation, but also offering some ad hoc
également des politiques qui sont en train de vouloir certains des médicaments que nous avons pu fournir pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans le traitement de traitement. Donc c'est un autre domaine où la société civile en fait a pu s'interposer comme un mécanisme de solution. Et une autre chose très importante c'est-à-dire en fait le rôle de soutien psychosocial pendant le confinement. Certains patients n'ont pas seulement souffert de problèmes qui existaient avant, mais qui ont également souffert de problèmes, je dirais, mentaux liés à la situation de confinement. Finalement, certains collègues ont déjà mentionné qu'en ce qui concerne les équipements de protection personnelle, que cela est également important de protéger le personnel de la société civile, les assistants sociaux, ainsi que d'autres professionnels ou personnel médical. Et donc, ces équipements sont très importants. Et dès le début du mois de mars, nous avions réussi à négocier un financement pour rapidement se procurer ces équipements de protection personnelle et les fournir aux organisations de la société civile et autres partenaires de mise en œuvre sur terrain pour garantir leur protection, la protection de leur personnel et des équipes qui travaillent sur terrain. Voilà brièvement ce que je pouvais dire. Et je serais heureux de parler également de certaines autres priorités par rapport au Fonds mondial. Mais s'il y a le temps de le faire, je serais très heureux de dire un mot là-dessus, si jamais il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. André, merci. Merci. Je suis heureuse que vous avez également fait mention de votre rôle en tant que personnel du Fonds mondial. Je sais que on pourrait passer toute la journée à vous écouter parce que l'expérience en Ukraine est si riche, mais je vois déjà qu'il y a deux questions pour vous. Je vois également quelques mains levées, mais s'il vous plaît, si vous tapez vos questions sur la fonction Q&A, questions-réponses. The video observation therapy. The very interesting question from Video, une question très intéressante de Busisiwe Beko qui nous vient de MSF en Afrique du Sud. La question pour vous, André, est-ce que vous avez eu quelques défis pour les patients qui n'avaient donc pas de téléphone portable? Et comment est-ce que vous avez également eu à traiter de la question de stigmatisation parce qu'il y avait des patients qui n'étaient pas très à l'aise avec la vidéo? Oui, question très intéressante.
C'est vrai que les êtres humains sont différents les uns des autres. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas très confortables avec la vidéo et d'autres qui le sont. Et c'est vrai qu'il y a la pression, il y a la stigmatisation et il y a des fois ce sentiment d'être contrôlé quand il y a la vidéo. Mais il y a des patients qui ont commencé avec le DOT et qui ont continué avec le VOT. Il n'y avait pas tellement de problèmes en Ukraine parce qu'ils avaient déjà l'habitude de prendre leurs médicaments devant les autres, devant d'autres personnes. Et en fait, pour certains, c'était même une bonne chose de ne pas avoir à se déplacer vers les installations pour se procurer les médicaments. Pour d'autres, c'est vrai, ça pouvait être un défi. Les assistants et autres personnels médicaux ont travaillé avec beaucoup d'attitude qui ont permis de mettre les patients à l'aise. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'obstacle majeur, je dirais. Et pour... je crois que presque tout le monde a un téléphone portable, mais ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent. Et donc, pour certaines questions, on utilisait différents mécanismes. Et on pouvait utiliser le Viber, on pouvait utiliser Skype, Messenger, WhatsApp. Et donc, il y avait quand même une certaine flexibilité. Nous avons également fourni, bien sûr, nous n'avons pas donné de portable. Bon, dans quelques cas exceptionnels, mais je n'ai pas de données là-dessus. Mais nous avons du moins donné des mégas, en fait, pour les patients qui en avaient besoin. Donc, oui, vous avez, dans certains cas, donné des portables, mais vous avez surtout donné des mégas. Nous en avons discuté un peu au Vietnam. Il y avait un peu de préoccupation par rapport aux personnes qui n'avaient pas de portable. Est-ce que quelle était la manière dont vous avez pu régler ce problème? Oui, si vous parlez de personnes sans abri ou sans domicile. Oui, c'est vrai que certains n'ont pas toujours eu à garder le téléphone, ils l'ont peut-être vendu ou pour acheter de la drogue, mais ce n'était pas un nombre élevé de personnes. Je crois que c'est important de ne pas seulement utiliser un seul canal, une seule méthode de connexion, et pas seulement le téléphone portable. Il y avait d'autres moyens également. Des fois, vous avez des patients qui ont des besoins additionnels ou qui représentent des risques additionnels. Et pouvions des fois nous connecter à ces personnes par leurs membres de famille, par leurs amis ou partenaires.
Voilà, merci André. Il y a une autre question de Dr Meriatu de l'Éthiopie qui travaille comme coordinatrice régionale pour éliminer la tuberculose. Alors, pendant le confinement, comment est-ce que vous avez pu donner les médicaments aux patients dans leur domicile? Qui faisait le suivi du VOT? Et est-ce qu'on a pu... les personnes qui travaillaient ont-elles été formées pour le faire? Oui, merci. Merci beaucoup pour cette question intéressante. J'aimerais d'abord dire que tout le personnel impliqué dans le soutien psychosocial et le VOT avait initialement été formé, la plupart d'entre eux bien avant, même pour DOT, mais nous avons également continué avec une formation virtuelle et nous avons utilisé les mêmes modalités que nous utilisons maintenant, soit Zoom ou Skype. Et ça, c'est correct. En ce qui concerne les médicaments, en général, cela se fait grâce au soutien de la société civile qui nous apporte justement ce soutien médical et qui assure le contact avec les patients de temps en temps. Certains des médicaments sont envoyés par la poste. Donc, ce n'est pas vraiment juridiquement réglementé et nous devons trouver une solution dans ce sens-là. Mais de par notre expérience dans le VIH, je dirais quand même que c'était fait avec réussite. Nous utilisons également des manuels confidentiels. En général, vous ne savez pas qui reçoit quoi. Voilà. Et des fois, ce n'est même pas dans votre bâtiment que vous recevez ce médicament. On peut vous retrouver quelque part avec un paquet et il vous faut montrer juste votre carte d'identité pour que vous soyez servi. Donc, vous utilisez également la poste. Je vois que c'est assez intelligent comme façon de faire. Je vois qu'il y a deux choses qui se sont bien développées pendant la COVID-19. C'est bien sûr les services de livraison à domicile, ainsi que le service en ligne. Et bien sûr, Hachim en a également parlé. Je vois une main levée de Megan. Yolana. And Megan, your question, please, or comment. Go ahead, Megan. Yeah, so I've asked Megan to unmute now, so her camera or her microphone should be working. Yeah, thank you. Okay, it's possible there might be a delay on Megan's side. Maybe we can move on to the next question and come back to Megan. Oui, peut-être qu'il y a un retard du côté de Megan. Nous pouvons passer à la prochaine question. So there's a question from August. Alors, la question nous vient d'August. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu
les barrières, les récentes barrières à la détection de la tuberculose. André. Ou j'aimerais peut-être dire que nous nous avons utilisé la livraison de médicaments par poste que dans des cas très rares pour des gens qui vivent dans des milieux très reculés, par exemple. Mais pour revenir aux obstacles ou aux barrières, le plus grand obstacle, bien sûr, c'était le fait que nous n'étions plus sur terrain et qu'il fallait maintenant faire le travail en ligne de manière virtuelle pour le dépistage, par exemple, auprès de personnes qui utilisent des stupéfiants. Et maintenant, ce n'est pas possible, mais quand même, les choses s'améliorent parce que la période couvre également les tout premiers mois avec différentes mesures de mise en quarantaine. Et c'est pourquoi nous n'avons peut-être pas pu avoir toutes les personnes. Autre barrière, bien sûr, la stigmatisation, la discrimination, parce que vous pouvez avoir quelques symptômes qui sont similaires aux symptômes de COVID-19, de la COVID-19, mais qui, malheureusement, ne veulent pas dire que vous êtes affecté ou infecté. Voilà, merci beaucoup à André pour ces deux obstacles majeurs. Is audible now. Megan, your question or comment? So I've asked Megan to unmute. It's possible she's not available at the moment, so we may have to okay, move on so to another we will question. Process with another question before we turn to Andre, the member of the chair of the board of the Global Fund. Voilà une dernière question, par exemple. En fait, il y en a deux. One time. So VOT is seen as a. Répondre une fois pour toutes. Voilà, donc le VOT est un peu comme une. Un outil technique. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent? Et si oui, est-ce qu'il y a un soutien du gouvernement? Et est-ce qu'il y a eu un soutien en termes de logistique, équipement? Oui, merci pour ces questions. Nous sommes très flexibles. Nous répondons et réagissons par rapport aux besoins des patients. Nous n'avons pas seulement une façon standard de faire les choses. Quelqu'un qui a, par exemple, besoin de méga, nous payons, mais si quelqu'un en a déjà et n'a pas demandé à en recevoir, nous n'allons pas demander à nos partenaires ou autres ONG de leur en fournir. Donc, nous en avons fait pour ceux qui étaient dans le besoin. Donc, c'est important de toujours être flexible et de ne pas toujours réagir de manière standard. En ce qui concerne donc le VOT, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui préfèrent le VOT par rapport au DOT? Oui, et j'ai l'impression... J'ai l'impression que qu'il y a
qu'il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent le VOT. Voilà, ça c'est très intéressant. Ce n'est pas une surprise, mais c'est assez intéressant de l'entendre. Voilà, André, je crois que on pourrait continuer davantage, mais notre temps est limité. Mais je vais vous donner 3 minutes pour que vous puissiez porter votre casquette de membre du Fonds mondial, pour que vous puissiez nous parler un peu de votre travail. Oui, je suis membre du conseil d'administration pour les pays émergents et je sais que plusieurs d'entre vous sont de ma circonscription et bien sûr, ce que je dis maintenant n'est qu'un point de départ. D'abord, la tuberculose est sous-financée en comparaison avec le PALU et le VIH. Nous sommes des fois un peu en compétition par rapport aux ressources limitées, mais notre délégation essaiera en tout cas d'accentuer un peu le focus sur la tuberculose et avoir un peu plus de financement. Deuxièmement, à cause du financement domestique de la tuberculose, souvent les pays doivent travailler avec d'autres fonds venant de l'étranger. Et malheureusement, c'est un autre domaine qui est à risque. Et voir comment ne pas permettre à ce que la société civile n'ait pas suffisamment de financement et que nos populations n'aient plus de médicaments. Finalement, avec le Fonds mondial, nous avons 4 priorités stratégiques et l'une de ces priorités, c'est les droits humains et l'égalité des genres. C'est vraiment l'un des 4 et pour la tuberculose dans cette période de COVID-19 c'est devenu évident que ce sont là des choses essentielles auxquelles il faut vraiment faire attention. Nous devons financer ces activités parce qu'elles ne peuvent continuer que si elles sont financées et pas de manière sporadique. Et il faudrait que la société civile soit financée, financer les initiatives qui garantissent donc l'égalité des genres et les droits humains. Oui, mais André, j'espère que vous allez également vous battre pour l'intégration des réponses de la COVID-19 dans les programmes de PALU, de VIH, SIDA et de tuberculose. Je vais peut-être demander à nos 3 intervenants de, en 1 minute, de nous donner peut-être un dernier mot. Hachim, Meriara et André, quelle est peut-être votre réflexion sur la session d'aujourd'hui? Quelle était la chose qui était peut-être la plus intéressante pour vous? Hachim? Merci, j'ai trouvé cette session très intéressante, mais j'aimerais me focaliser sur une perspective, et c'est qu'il y a un sens de désespoir. Les systèmes sont en fait en train de se détériorer, et la situation n'est pas vraiment la meilleure. Et ce n'est pas qu'un miracle va se produire. Nous devons juste travailler, que nous ayons suffisamment de financement ou pas. Autre chose, c'est que ceci n'est pas tant pour le populisme ou le nationalisme. Il ne faudrait pas que
nous puissions arrêter la collaboration dans plusieurs pays ou même dans un même pays, que vous soyez du parti au pouvoir ou de l'opposition, nous devons travailler ensemble parce que la COVID-19 nous affecte tous. Il ne faudrait pas que chacun tire la couverture de son côté pour dire « voilà, nous sommes les meilleurs ». Nous devons tous accepter la réalité et comprendre qu'il nous faut travailler ensemble. Merci. Merci Hachim. Je peux faire écho de ce que vous dites. Je crois que personne ne sera en sécurité jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité. Au Vietnam, nous avons très peu de cas de COVID, mais nous sommes quand même en confinement. Nous ne voyageons pas et nous n'ouvrons pas les frontières non plus. Nous ne serons pas nous-mêmes en sécurité jusqu'à ce que tout le monde le soit. C'est donc un problème mondial et nous avons besoin de cette solidarité mondiale. Merci Hachim. Nous passons la parole à Mediara. Alors, moi, j'ai été très, très, très honorée. Yes, I was very... Non seulement revoir les visages et les personnes que j'avais perdues de vue, mais également pouvoir prendre part à cette session. Et il y a trois points clés que je retiens. Le premier, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir prendre en compte les questions de stigmatisation, discrimination, protection des droits des patients atteints de tuberculose, mais également de COVID-19 dans les différentes approches. Et dans cette même veine, créer une meilleure préparation des communautés en cas d'épidémie pour réduire les tensions entre prestations de services et appropriation au niveau des communautés. Le deuxième point, c'est vraiment l'intégration des approches. Donc, nous avons parlé de la verticalité, vraiment insister. Si nous voulons des réponses avec beaucoup plus d'impact et des réponses durables, il faut vraiment penser intégration. Et enfin, le troisième point, c'est l'utilisation du numérique. Et l'exemple de André nous l'a bien montré, comment la COVID nous a appris à travailler autrement, avec une plus forte utilisation du numérique et également même pour les échanges, l'utilisation des plateformes pour innover dans nos approches. Merci une fois de plus aux organisateurs de nous avoir associés, d'avoir donné une voix à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Thank you so much. A voice to Africa as well. But thank you so much. And one thing, and I still want to mention one thing for me, is that community system is into play now. And it's great that with the investment from the Global Fund, we are là et que, avec le Fonds mondial, nous pouvons For all the participants who have stayed with us. Merci à tous les participants qui sont restés avec nous jusqu'à 7 heures. Merci à nos intervenants. Merci à l'Union pour cette opportunité. Et portez-vous très bien, tous et toutes. Et j'espère. Bye bye.